Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Les migrations estivales des vacances touchent à leur fin. La rentrée scolaire sonne le glas de l'exubérance et dans l'air du matin et du soir, les parfums de la végétation amplifiés par la chaleur de l'été commencent progressivement à être neutralisés par la fraîcheur automnale s'installant. Cependant, avant de reprendre la routine bien huilée du travail, des enfants à l'école et d'une assiduité qui est de mise, faisons un petit retour sur cet été 2023 en parcourant les différents types de migrations estivales où le bonheur des uns fait le cauchemar des autres. Si nous n'étions que quelques explorateurs au début du XXe siècle, nous sommes aujourd'hui des millions à voyager à travers le monde ou plus près de chez nous, mais toujours dans une optique d'obtenir des vacances bien méritées dans les endroits qui nous sont sans cesse vantés par les médias ou encore par tout type d'influenceurs. Au niveau mondial, 95% des touristes se rendent sur 5% des terres émergées. En France, en 2019, étaient comptabilisés 1,5 milliard de touristes internationaux, soit 60 fois plus que dans les années 1950. Bien évidemment, la crise Covid a ralenti l'activité avec seulement 48 millions de visiteurs en 2021, mais le tourisme repart à la hausse après cet effet passager. Au niveau mondial, le tourisme est le troisième secteur économique après la chimie et les carburants. Il ne peut donc être qu'encouragé par nos gouvernements. Cependant voilà, il y a un hic et même un gros hic, et il s'appelle le surtourisme. Il s'agit d'une saturation des sites touristiques. En France, 80% de l'activité touristique s'effectue sur 20% du territoire. Cette masse humaine débarquant en paquebot, en avion ou encore après un long bouchon d'autoroute un samedi brûlant avec clim à l'appui, n'est qu'une transhumance humaine permettant de jouir de l'herbe qui paraît plus verte, plus spectaculaire chez le voisin, du moins ce qu'il en reste. Quelques exemples pour comprendre la prédation que représente le tourisme international. Venise a une population de 251 900 habitants et reçoit 8,9 millions de touristes qui arrivent par paquebot, défonçant les fondations des habitations, détruisant les écosystèmes et polluant les Vénitiens par leur présence et comportement. Hallstatt, en Autriche, devenue en vogue grâce à une influenceuse, reçoit 850 000 touristes pour 725 habitants. Ainsi, le monde devient une vitrine devant laquelle il faut impérativement passer. L'important, c'est d'y être. L'important, c'est d'avoir des souvenirs et de les poster sur les réseaux. Peu importe les habitants, peu importe de comprendre l'autre, peu importe de comprendre ses mœurs. Nos vacances de masse à l'étranger ne sont ni plus ni moins qu'un moment de soi-disant détente ou aventure, au goût de colonialisme commercial provoqué par des prix low cost, invitant chaque ménage moyen à accéder à son rêve de lointain, détournant ainsi le regard pour ne pas voir l'esclavagisme qu'il développe dans de nombreux pays pour satisfaire son ego de touriste roi. De cette menace, une tourismophobie apparaît dans les grandes villes européennes ou de plus modestes villes qui sont chaque année assaillies par les visiteurs, car par leur présence, il déséquilibre le marché locatif, crée une surconsommation des ressources naturelles, l'énergie, la nourriture ou encore l'eau, et pollue. 52% de la pollution de la mer Méditerranée est d'origine touristique. En 2018, une île des Philippines se voit contrainte de fermer 6 mois, car trop polluée par ses hôtels. Ainsi, des quotas, des taxes se mettent progressivement en place pour ne pas voir ce patrimoine basculer dans l'inventaire du patrimoine mondial en péril. Alors jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour satisfaire nos envies de vacances? Eh bien a priori, aussi loin que le modèle travail-récompense peut le suggérer, en se répétant chaque année, influencé par de nouvelles tendances toujours plus extrêmes.
Car il faut le dire, l'humain s'ennuie de plus en plus vite. Il n'est donc pas surprenant de voir des touristes partir aux États-Unis dans la vallée de la mort, simplement pour se prendre en photo près d'un thermomètre affichant 56 degrés, avec un sourire démontrant une certaine fierté. Oui, nous sommes capables de tout, et surtout d'un déni pathologique lié à notre individualisme, notre besoin d'existence et de jouissance. L'été 2023 s'annonce une fois de plus comme le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques. En France, plutôt clément, il s'achève par une canicule tardive. À chaque sortie dans les marchés des villes, nous pouvions entendre une même phrase répétée comme un mantra. Une phrase certainement rassurante et sécurisante, mais complètement erronée. Je cite « Ils nous font bien rire avec leur réchauffement climatique. Le matin il fait frais, le temps est maussade, finalement c'est un été pourri. » Eh oui, un été pourri. Des températures en dents de scie, plutôt fraîches, pas forcément propices aux cultures et à l'exposition de nos corps au soleil sur les plages bondées, comme si chaque goutte de sueur supplémentaire permettait de justifier nos vacances tant méritées. Cela provoque ainsi une certaine déception et surtout une incompréhension de ce qu'est le réchauffement climatique. La première chose à affirmer pour aborder cette notion, c'est qu'elle est contre-intuitive. Même si l'accélération des effondrements biologiques et physiques de notre planète devrait, par les résultats scientifiques, nous alerter, notre vie quotidienne nous offre toujours un contre-exemple sur lequel nous pouvons nous appuyer pour relativiser ces données effrayantes, comme un été pourri, ou encore d'entendre des oiseaux dans son jardin, et ainsi ne pas intuitivement percevoir que plus de 60% des espèces ont disparu. Pourtant, cet été a été une fois de plus terrible à travers le monde. Les migrations estivales des bien lotis sont désormais traitées par les médias en parallèle des migrations forcées par des événements intenses et très localisés. Le Canada, victime d'énormes incendies, a vu sa forêt diminuer de l'équivalent de la Grèce, qui a elle-même connu la plus longue canicule de son histoire, et des feux multiples comme près d'Athènes. En Italie du Sud, chaleur extrême, tornades, tempêtes de grêle et inondations dans le nord. L'île Maui, à Hawaï, a été complètement dévastée par le feu, avec plus de 100 morts et 1300 disparus. Nous pourrions faire l'inventaire de ces événements, mais à quoi bon ? Nous savons que cette année 2023 sera encore la plus chaude. Le réchauffement climatique n'est pas la météo locale, mais bien une moyenne mondiale. Pour ne citer que la France, plus de 100 communes n'ont vu aucune goutte d'eau sortir du robinet pendant une période de l'été. Vous l'aurez compris, ce nouvel été touristique qui s'achève n'est que l'illusion temporaire d'un monde beau et riche à visiter, alors qu'il brûle aux quatre coins, sans que nous n'osions nous l'avouer, faute de lucidité et de courage. Pourtant, les vacances peuvent être autre chose. Le moment d'être en famille, de cultiver son jardin, de cuisiner ensemble, de partager nos savoirs et savoir-faire avec nos enfants, petits-enfants, de se préparer aux événements à venir ensemble, de célébrer la vie au quotidien, de se nourrir d'images et d'imagination, plutôt que de fouler chaque territoire. En choisissant la simplicité, en réduisant notre mobilité et en acceptant la résilience, nous nous détournons du chemin que la société de consommation souhaite nous faire emprunter pour créer toujours plus de richesses, toujours moins redistribué au détriment d'autres et de notre planète. Il est urgence à redéfinir notre mode de développement et le système vorace et individualiste dans lequel nous nous sommes piégés. C'est la rentrée et peut-être le moment d'envisager nos vrais sujets de préoccupation. Selon une enquête effectuée par l'UNESCO en 2020 sur les sujets qui préoccupent les humains en pensant au monde de 2030, le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité est en tête, avec 67% des 15 000 personnes sondées. Ensuite, il s'agit de la violence et des conflits, avec 44%, de la discrimination et des inégalités, avec 43%, de l'insécurité alimentaire et de la pénurie d'eau ou de logement, avec 42%. Il est ici intéressant d'observer que toutes les craintes sont étroitement liées à la première cause d'inquiétude, car le réchauffement climatique, par ses impacts, crée la guerre, l'insécurité alimentaire, l'inégalité et la pénurie. Alors il est peut-être temps de redéfinir notre conception des vacances et du bonheur tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ?
Oh, super green. Green aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois. Mais tu vois le green, green, absolument. Green, green, green.